Chers frères et sœurs, le temps de l'attente dans lequel nous a plongé le temps de l'Avent depuis le dimanche dernier est un temps de l'espérance, une espérance joyeuse. Car nous sommes en attente de la naissance de notre Sauveur, de l'attente de l'avènement historique de l'enfant Jésus dans notre monde si désespéré. Le prophète Isaïe nous montre dans la première lecture que Dieu vient sans cesse consoler son peuple, mais il attend surtout de son peuple une conversion radicale. Et dans la seconde lecture, Saint Pierre exhorte le peuple à désirer impatiemment la venue glorieuse du Seigneur. Et dans la bonne nouvelle d'aujourd'hui, Saint Marc nous présente la figure de Jean-Baptiste, l'un des personnages importants de la liturgie du temps de l'Avent. Comme le prophète Isaïe, le précurseur du Seigneur, nous appelle à la conversion. Il prépare par sa prédication le chemin du Sauveur qui vient tout sauver, qui vient pour tout sauver, qui vient pour nous donner une vie nouvelle en abondance. Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, à l'image de Nicodème, nous sommes invités à renaître de nouveau en accueillant Jésus dans nos cœurs, dans une démarche de conversion quotidienne. Bonne journée dominicale et que Dieu vous bénisse.